Bonjour, prenez place, installez-vous confortablement. Durant les 20 prochaines minutes, vous allez être transporté dans un monde au-delà du réel. Au programme de cette vidéo, de l'action, de l'effroi, du romantisme, mais surtout, beaucoup de rire. Et comme dirait le proverbe, le ridicule ne tue pas, il rend plus fort. Et avec cette série, on est devenu très très fort. Oui, et puis très très ridicule. Bienvenue dans ce bêtisier signé Equinox Studio. Tourne au son, donc on va faire la prise 6 du plan large. Plan beau à Equinox, prise 2. Je suis beau. Non, c'est le plan qui est beau, pas toi. Equinox, je cours, trop bien. Et qui est osé poser sur le banc, prise de je sais plus combien, on s'en fout. Plan, pas le temps de niaiser, il y a des gens qui ont pris des flèches et sont tombés par terre. 2. Bien, clap. Clapeau, Prince 368. Un bêtisier, c'est normalement beaucoup d'humour. Mais vous savez, un tournage, c'est aussi beaucoup de violence, qu'elle soit physique ou morale. Des images chocs qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et des moins jeunes aussi. Courez à le maltraiter. Aïe, mais oui. Là, t'avais un moustique sur la joue, je t'ai sauvé la vie. Ah. Je me fais taper. Je me malmène. C'est qui mène? Oh, comme je suis devenu balèze. Tu me le refais, s'il te plaît? Je me suis fait mal. Ah bah. Oh, 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 c'est rigolo. Quel acteur, William. Tu t'es vraiment fait mal? Oh non. C'est trop bien. Je me suis tellement fait avoir par le... Et tu vas... Quoi? Eh ouais, j'instruis, moi, madame. T'es dégueulasse. Non mais, c'est pas une planque, ça. Chut. Excuse-moi. En fait, le mec, c'est un avion... Pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai pas besoin de mimer la peur. Genre, je suis vraiment pas rassuré. Allez. Quel enfoiré. On a perdu Christophe. Christophe est mort. Ouais, trop vite. Sauve-toi avec l'oreille. On voit dans le champ ou pas? Oui. Parce stop. Que je cours vraiment comme un débile. Sauf que moi je me déplace à grande vitesse. Oh, comme le TGV, en fait t'es le démon de la SNCF. Quoi? Ok. C'est nul, mais c'est quoi cette punchline? On l'a répété. On se la refait une fois en entier. C'est ma vanne en plus. Plan pompe et qui ose, prise 1. Alors c'est des abdos mais on veut pas trop en vouloir. Je t'emmerde. J'ai dit qu'on te voulait pas. Plan abdo et qui est ose, prise 1. Assistant massage. Robin, nique ta mère et mets-toi correctement. Assistant réel. Oui. Je veux bien ne plus tomber avec mon portable dans la poche. Merci. T'es l'assistant réel? Ouais. Mais c'est qui le réel alors? C'est toi? C'est moi? Oh merde! C'est pour ça que c'est pas trop de qualité. Mon masque il me gratte. C'est rien à foutre. Vous êtes sûr? Ouais, je suis sûr, ouais. Toi, t'es un break. Enculé. Tu peux lui demander, genre, est-ce que Priscelle, elle est réellement utile? Il va te répondre non. Mais je t'emmerde. Quel code. Oui. C'est fait exprès pour que tu sois vraiment dans la peur, c'est pour ça que je t'ai touché. Je vais vous apprendre à courir la queue entre les pattes. Bande de merde. Mais tout ce que vous venez de voir n'égale pas la violence des images qui vont suivre, où j'ai été sali, humilié, souillé. Oh, moi, c'était clairement mon moment préféré. Parce que là, sur le coup, ça m'a... Ok. Oh non, on est traqué.
Je suis archi désolée, Nico. Non, mais... C'est marrant. Et moi, ce qui est marrant... J'aime bien. Oh putain, je suis désolée. Mais celle-là, il faut la noter quelque part. Non, mais... J'adore l'humour. J'adore rire. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais on vous rassure, les tournages avec nous, c'est sous le signe de la bonne humeur et de la rigolade. Bon, et puis de la beaufrie aussi. Hein. Ah. Quand il parle, quand il tombe. La truffe qui est humide. Pourquoi on se battrait pas en... Bah après, là, parce que... Je te tiens par la barbichette. T'as vu, j'ai mis mon caleçon Satan. Ah bah non, mais faut pas te marrer. Pardon, c'est trop drôle. C'était génial. Je me suis explosé la langue. Oh merde, merde. C'est génial. Mais arrêtez de me marrer. Mais ça fait rien. C'était drôle, excuse-moi. Tu peux la refaire une deuxième fois. Ah bon? Sans te faire mal, s'il te plaît. Non mais... Cassandre! J'ai pas fait exprès! J'ai pas fait exprès, j'essaie de retenir mes toux, mais c'est compliqué. Putain, non mais j'arrive. C'est moi qui dois tousser. Je sais pas, moi. Oui! C'était génial! C'était génial! Oh putain! Ça va, on vous dérange pas? Bah, ça va. J'ai l'impression de rouler un saucisson. Putain, je vais me casser la gueule! Je suis en train de faire des pas chassés! Elle saute avec la gueule! Elle a pas compris. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu fous là? Pourtant, c'est moi qui avais la bouche ouverte, hein. Putain, on se fait attaquer. Et à la rigueur, je me dis. T'es au courant que t'aurais pu y passer? Arrête de rire! Et du coup, dès que t'entends André Alphus, tu te lèves en disant il est réveillé, chérie! Vraiment? Attends, je serai où dans la pièce? Par là. Pardon, mais vous avez juste dû vous voir par la pièce. On a été compagnons de cellule, c'est ça? Et ça t'amuse? Non, madame. Cassandre, attends, tu fais rire. Je rigole plus, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Petit chat mort, c'est petit pas... chat mort. T'en fais un peu trop. C'était trop. Et si je me marie avec elle? Pardon. C'est ça, Martois. Et en plus, il aiguise les sens de ses alliés et il rend leur mouvement plus fluide. Like voleur. La prochaine fois, il vous aidera. Et puis ouais. Tu peux parler toi avec tes pouvoirs tout péter. Oh ouais, ok, parfait. Il est con. Oui, il est un peu plus gentil, chef. Mais tu vois, il crée tout le champ. Genre, tu vas avoir une fois l'humeur, tu lui mettrais dans ton nom de l'humeur, tu lui mettrais dans ton nom de l'humeur, tu lui dans la scène, ça se dilue. Il vous écouterait, il vous aurait une live aussi mauvaise. Ok. Mais quoi? Les 40 légions qu'il dirige sont des hommes qui l'a transformé en bête. Tu vois, c'était des hommes. Tu vois, c'est des hommes. Les venus, les amants d'eux, et ce sont devenus des bêtes. C'est devenu des bêtes. C'est un homme torse-poil avec une tête de licorne et qui fait beaucoup de musique. D'ailleurs, ses familiers sont connus comme étant les meilleurs du monde. Eh, abonnez-vous. C'est pas sympa de faire de la team, quand même. Moi, je suis utile. Je cours vite. Eh, salut Carlo. Oh, Carlo. Oh, Gary! Il est trop cool. Et moi, mon familier préféré de ses familiers, c'est son Nigoule. Il s'appelle Nigoule. Il fait des pains, comme ça. Il mange des mouches. Mais c'est les caméléons qui font ça? Mais lui, il le fait quand même. C'est un caméligouen. Ouais. Je te l'avais dit. Putain.
Putain, on voit pas ta bouche à cause de tes cheveux. Ta mère, la bouche. Fais attention avec tes cheveux en avant, la rigueur fout. Bloque-les derrière. Mets tes cheveux dans ton cul. Tu vois, je te l'avais dit. Du coup, on voit vachement tes oreilles. Mais putain. Les familles que les démons donnent aux humains. La couronne. Titre. Merde. Action. Attends. Ah, pardon. Il est fou celui-là. On n'est pas prêts. Et comme dit le proverbe, femme qui rit, à moitié dans ton lit. Mais malheureusement, je n'ai mis aucune femme dans mon lit. Par contre, des conneries sexuelles, qu'est-ce qu'on en a dit? Vraiment, lâche. Lâche la sauce, titre. Allez, allez, c'est mousse, ça plus fort. Ça y est, je voyais que j'étais pas trop en face de lui. Allez, 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 c'est vous tout ça plus fort. J'ai avalé, pardon. Une cervelle de piaf, t'en as une énorme. La prochaine fois, tu réfléchiras deux fois avant d'aller te frotter à plus fort que toi. Moi, je retiens juste, t'en as une énorme. Je vais rester près d'elle pour m'occuper d'elle. Du coup. Tu me doutes, tu vas pas t'occuper de sa sœur. Je décide, moi, de rester avec elle parce que j'ai moi, envie de la sauver, soucis. Mais c'est une autre chose. Quel beauf, Cassandre, quel beauf. Bon, avec sûrement moins de désir qu'elle, parce que, voilà, mais... J'ai juste l'impression d'être un mec qui, d'un seul coup, va sortir une rapière et faire « Allons-y, maintenant, nous allons y aller, ah !» C'est ultra sec, ces mecs comme ça, hein. Moi, je trouve ça trop beau. C'est-à-dire que quelqu'un arrive dans ta chambre en disant « Allons-y, maintenant, je vais vous... » Ah, bah, moi, Pierre, il me fait le coup de la rapière, prends-moi sur le lit, hein. Trop bien. Oui, ça va, Alexis, c'est bon, on te regarde. Oh là là, le boulard des youtubeurs, je te jure. Je confirme. Je confirme, non, mais je sais, t'as pas besoin de confirmer, je suis au courant. Ah oui, tu m'as compris. Non. Pardon. Comment tu veux que je me concentre après? Oh. Entre l'autre avec son caleçon de cœur là. Mais un boulard, mais c'est pas nous, c'est Gomory. On raconte qu'elle a le fessier le plus séduisant des enfers. Et elle est à la tête de 26 légions. C'est pas pour être méchant, mais tout ce qu'on voit c'est ton cul surtout pendant un moment, donc Genre ça me plairait pas aux abonnés. Ne dis rien. Tu peux te serrer plus sur Robin? Oh William là. Comment fait les bébés? T'es prêt à vendre ton âme? Assistant des encrassages. Merci. N'oublie pas les fesses. Ah, je me sens sale pour lui. Ouais, bah tu peux, hein. Je me sens tout sale. Et maintenant, après ce doux moment de poésie... Un petit interlude plein de raffinement et de délicatesse. Tu mettrais ça dans ma bande des noix. Ah. Pardon. Wow. On peut les péter, celle-là, c'est pas... Fais gaffe. Il y a de l'orage dans l'air. Ah, stop, stop, il y a un énorme vent qui vient d'arriver. C'est mon père. J'en ai marre. Non, c'est bon. Pardon. Je trouve qu'Equinox, travailler avec lui, c'est très compliqué parce que je suis très sensible au paix et au roi à cause d'eux. Voilà. Je tiens à le dire. C'est toi qui a le plus roté depuis deux jours. Wouh, viens danser sous le soleil de Satan. J'irai sacrifier tes parents. On a toute la vie pour s'aimer. Et oui, lors des tournages, on craque. Et on chante du coup. C'était pas moi la meilleure. Wouhou. Maintenant pour moi c'est cuit, une envolée lyrique. Et pour moi c'est cuit. La 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 la. Ok. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma gueule? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma gueule? Je n'ai plus un enfant. Nouvelle positrice, je nommerai Jésus, Antoine, premier ministre, et mon gouvernement
J'étais président. Squeezie à la culture. Le champ, l'univers d'Anche. Et moi j'ai lu. En trop infuse la force du fruit. La folie. Parlons-en. De temps en temps, notre réel était pris d'aliénation mentale où son subconscient dépassait la frontière du raisonnable. Oui, bon, en résumé, il craquait son slip, quoi. J'ai rien compris. Moi non plus. Olé, olé, toro. Fois avant que les... après que les motos soient passées. Nico au bout de sa vie. Il me fatigue. C'est hyper élégant. Bah voilà, quand ils font un effort, c'est mieux. Finito. Bah, t'as bien ma simulation? Ah, t'as simulé? Ouais. Tu t'es pas vraiment viandé? Non. Ah ouais. Non, mais non. Oh non. C'est profond quand même, hein. Allez, faut souffrir pour la magie du cinéma. Hein. Ouais, mais là. Je suis mouillé. Je glisse. Ah oui, effectivement. Mais heureusement, j'ai une superbe collaboratrice qui me le rendait bien. Ils me sont pas concernés. Caillou, moi j'ai pris Kay. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est moi. C'est moi. Quoi c'est tout? Je sais pas. Je me dis que ça avait du sens, hein. Oh non, mais je suis une débile, j'en ai marre. Revenez, la caméra a bougé. Merde, attends. Quelle patate. Il y avait un bout du micro dans le plan. Pardon. C'est malin, ça. Oui, bah j'ai pas fait exprès. Vous pouvez observer ici un équinoxe sauvage en plein travail. Je sais pas si c'est le meilleur cadre qu'on ait que de toi, mais... voilà, le équinoxe sauvage s'est barré, comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs. C'est compliqué de suivre une girouette pareille. Mais voilà. Ah, Robin, Robin, comment allez-vous, Robin? Je me fais maltraiter. Et il reparta seul, perdu dans ses pensées. Tel le héros solitaire qu'il a toujours été, il partit vers d'autres cieux. Alors là, mesdames les spectateurs, Nico va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Et ça, c'est subtil. Regardez-le. Regardez-le avancer. Attention, vous allez le voir dans pas longtemps, je le vois déjà. Oh là là, quel charisme, quelle candeur, quelle grâce, quelle élégance. Il s'avance, l'air pensif, en se disant « Mais que vais-je manger ce midi? Oh, peut-être encore des pâtes au jambon, vu que j'adore ça. » Un homme face à la nature. Tu t'es pris une branche dans la tronche? Ça, c'est rigolo. Ça va être rigolo pour ça, vidéo gag, hein. Tu peux dire à la caméra ce que tu viens de dire, hein? Dealer. Dealer. Qu'on laisse les chaises et c'est toi qui as pris la décision. Ah, oui, on laisse les chaises. D'accord. C'est lui qui a pris la décision. C'est lui qui a pris la décision. Oui. C'est toi qui as pris, t'assumes. Oui. Tu m'engueuleras pas au montage. Bah non. Voilà. Tu t'engages, hein. Bah oui. Super. Heureusement que j'aime bien cette web-série, hein. Je me sacrifie beaucoup. Après toutes ces péripéties, il est évident que nous devons terminer cette conclusion par quelque chose de fort, riche en émotions. Malheureusement, nous n'en avons pas, du coup, bah, merci et bisous. Bisous ! Abonne-toi.